furumaji ye man furumaji ye ubaguna wena meso ubaguna wena meso matemete mansam kombisa kujimba kanana. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la SAP. Le début de l'histoire de la SAP. Une histoire qui a commencé au moment de la colonisation. Le colon, quand il est arrivé au Congo, il portait le casque colonial. Une chemise et une culotte kaki avec des chaussettes tirées jusqu'au mollet. Un accoutrement de pouvoir et d'autorité. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à faire travailler tout le monde, de gré ou de force, en utilisant les mêmes méthodes qu'il avait déjà l'habitude de pratiquer dans les Caraïbes avec les esclaves. Des villages entiers ont été réquisitionnés. Les uns devaient aller récolter les noix de palme pour la fabrication de l'huile, les autres devaient aller récolter la sève d'un arbre qu'on appelle Mukwezo. C'est cette sève qu'il fallait piler tous les jours pour la fabrication du caoutchouc. La construction du chemin de fer Brazzaville-Pointe-Noire, où on dénombre des milliers et des milliers de morts. Les 3 francs d'impôts à payer. Et pour ceux qui ne payaient pas ou ne voulaient pas travailler, se retrouvaient les mains coupées. Les sages forment une délégation pour aller se plaindre auprès des autorités coloniales du mauvais sort qui était affligé à la population. Et se faisait prendre aussi à partie et parfois se retrouvait en prison. La population rentrait en clandestinité et formait la résistance qu'on appelait les corbeaux. À Paris, André Matsua avait créé une association qu'on appelait Association Amicale, qui avait des représentants dans pas mal de pays africains. Quand André Matsua est rentré au Congo, sa présence avait donné de l'espoir à la population. Et la résistance se trouvait avec 2 mouvements, c'est-à-dire les matsouanistes et les corbeaux. André Matsua était tellement bien sapé, à chaque fois qu'il se présentait devant les autorités coloniales, il était bien reçu et on lui accordait quand même de l'audience. Et à partir de là, ça avait fait tilt chez les intellectuels et qui ont commencé aussi à imiter André Matsua, c'est-à-dire à être bien habillé avant de se présenter chez les autorités. Et voilà comment est née l'histoire de la SAP. Mais à cette époque, on ne les appelait pas les sapeurs. On les appelait les yengeurs, qui sortent du mot yenga. Et yenga qui signifie tout simplement bien habillé. L'apparition de André Matsua dans des lieux publics drainait tellement du monde et ça commençait à gêner les autorités coloniales. Et à la fin, André Matsua s'est fait arrêter, emprisonné, jugé. Et depuis ce jour, André Matsua a disparu. On n'a jamais su par où était passé André Matsua. Matsua ndere kala kumavula, Matsua ndere. Matsua ndere kala kumavula beto balaba kutusafukire. Matsua ndere kala kumavula. En 1958, l'Assemblée française avait voté une loi pour le transfert de compétences et non d'indépendance aux pays africains et que ces pays devaient rester toujours dans la communauté française. Et ça, c'était la goutte qui avait fait déborder le vase. Les corbeaux et les matsouanistes avaient carrément répondu non, non, non. Bétenubuna Butata, nous voulons la liberté totale. Et ils ont manifesté. Une manifestation qui était carrément réprimée par la violence. Plusieurs résistants sont tombés et les autres capturés. Ils ont tous été ramenés au bagne. Une prison qui était située au nord du Congo, dans la ville qu'on appelait Forousse, l'actuel Owando. Et parmi eux se trouvait mon oncle, M. Mounoundji Ferdinand. Neno mia kunjukuya, na mia kimpanzu,
melo mini nya kunjuku na myambangala mani makala pele mwana matala. Et en 1960, au moment du fameux transfert de compétences, ce sont les sapeurs qui se sont retrouvés à la tête du pays par la présence du premier président congolais, l'abbé Fulbert Youlou. C'est cette histoire que je vais essayer de vous raconter avec mes amis et compatriotes qui sont des figures de ce mouvement appelé la SAP. Tu peux nous expliquer à peu près le début de cette histoire de la SAP? Bon, moi je vais parler de ce que j'ai vécu. En fait, quand le mot SAP, déjà, bon, faut dire que c'est dans les années 80, hein, c'est la propriété de l'autre, là, de notre grand, Mister Sapéry, qui avait donné le nom à ce mouvement-là. Puis si on prend le début de la SAP, ça va commencer par les Matsua, par les premiers colons qui étaient venus en Europe et qui sont revenus avec des vêtements que nos parents ont vus. Moi, j'ai été lutteur dans les années 73, j'étais un lutteur. Un lutteur, c'est celui qui partait miner le vêtement. Il fallait lutter pour avoir les vêtements. Puis, on avait pas. Un mineur. Un mineur. La mine, c'est quoi? C'est aller prendre l'habit chez un cousin, tu vas prendre le pantalon chez un cousin, tu vas prendre la chemise chez quelqu'un qui habite parfois à 10 km de chez toi. C'est aller prendre la paire de chaussures, aller prendre les chaussettes, tout est sauf le sous-vêtement, sauf le slip que tu vas aller prendre. Le slip t'appartient, mais tout ce que tu portes ne t'appartient pas, tu es parti emprunter chez les uns les autres. Et il faut agencer, parce que quand tu portes, maintenant il faut harmoniser les couleurs. Il faut que tu vois que le pantalon là va aller avec telle chemise. La chemise là va aller avec telle paire de chaussures, telle chaussette. Les lunettes même, il nous faut les miner. La mode chez nous est liée à des phénomènes, par exemple, identitaires. C'est-à-dire les jeunes, à l'époque, moi je parle de mon époque, les jeunes ne se retrouvaient pas dans ce qui était là. Qui existait, c'est-à-dire l'uniformisation. C'est une façon aussi d'un appel au secours des jeunes à l'époque. Ils se sont dit, donc, bon, nos parents veulent que nous avions comme ça, nous, on va faire ça. C'est une autre façon, c'est une autre vision de la vie. Effectivement, parce que l'habit, ça ne s'arrête pas seulement au côté matériel, un truc qui est au-dessus, mais ça reflète un état d'âme. Nous avons commencé par être des viveurs, nous avons commencé par être des lutteurs, nous avons commencé par être des bagarreurs, nous avons commencé par être des cracks, des payboys, des gentlemen. Nous avons porté des gotos, nous avons porté des jeans cigarettes, nous avons porté des beaucoup de choses, des chemises mince, nous avons porté, nous avons porté les yogis, nous avons porté les taquos, les Christian Wolf, qui tu connais. Mais au départ, quand on regarde la SAP, c'est un mouvement contestataire, c'était pour les étudiants, c'était pour les intellectuels, c'était pour les techniciens qui voulaient se dire que bon, oui, nous allons nous habiller pour donner l'impression que nous ne sommes pas des pauvres. Mais avant, en 1978, est-ce qu'elle s'appelait SAP? Non! Et ça s'appelait comment alors en 1978? À l'époque où on était encore au pays. Des viveurs, des lutteurs, des gentlemen. Et tu as connu les cracks aussi? Les cracks, mais oui. Mais les cracks, mais d'abord, il y a eu d'abord les cracks, c'est après. Il y a eu les cracks, les dandies, les playboys qui arrivent en 80. Et après, la SAP qui arrive, la SAP qui arrive après les années 80. Donc à Mongali, nous avons eu un orchestre, Zimbabwe. Et qui dit orchestre dit jeune. Mais moi, comme je n'avais pas les vêtements, je n'avais pas l'argent pour avoir les vêtements. Je partais chez Agoumaré, à Goum, pour aller miner. Oui. On vous appelait comment exactement, pour ceux qui étaient bien habillés? Mais on était des lutteurs. On était des lutteurs, puisque la SAP était une lutte, il fallait lutter pour avoir les vêtements, il n'y en avait pas. Est-ce que tu as connu par exemple les cracks, ou soit les deckers ou les yengers? Non, je n'ai pas connu les cracks. Au départ, nos grands, ce n'étaient pas des cracks, c'était des crâneurs. Bien sûr. Voilà, donc nous, on a modifié, on a modernisé. Comme nous sommes venus en France, on a enlevé le mot crâneur. Les crâneurs, tu te rappelles d'eux qui avaient des bouquets derrière, qui étaient toujours avec des soins, qui avaient leur grattoir. Chaque fois qu'ils peignaient leurs cheveux derrière, ils étaient tellement propres. C'était des crâneurs. Et nous, quand on a modernisé, quand on vient en Europe, et c'est là qu'on a enlevé le mot crâneur, on est devenu des cracks. Mais sinon, les grands étaient des crâneurs. C'était des bringueurs. Des bringueurs. Des bringueurs, ils faisaient de la bringue.
Ngana lembi nzoto, ngana lembi nzoto, Luciano. Ça c'est à quelle année? Mais je te parle de 75 mon gars. Luciano, maman, ngana lembi. Ça, c'est quand dans le club les Rolling Stones. Ça, c'était la chanson que Ben Mkosh à l'époque, que j'ai choisi. La chanson fétiche. La chanson, non, la chanson que chaque, parce que chacun des viveurs à l'époque sortait, il avait, choisissait une chanson. Mais à l'époque, il n'y avait pas les vivants. La musique, n'existait même pas. C'est pour ça qu'on te parle que Bisoto Banango Kala, les gens vont dire, ah, Yanni, non, mais tu vois. Moi, j'étais façonné par un grand à moi, le vieux baron, paix à son âme. C'est celui qui m'a mis, c'est celui qui m'a emmené dans ce mouvement-là. Et j'ai même gardé l'une de ces démarches que j'ai surnommée l'âge de la latence accélérée dans une zone de pas perdu. Et ce sont ces. Mais c'est une démarche de vieux baron. C'est cette démarche-là, quand il la faisait, c'est-à-dire que tout de l'ici était derrière. Et donc j'ai gardé cette démarche et je l'ai immortalisée. À travers cette démarche, j'ai immortalisé le grand baron. C'est celui qui m'a donné, qui m'a mis, qui m'a dit un jour, je voulais porter. J'ai dit, grand, je n'ai pas d'habit, j'ai déjà porté les autres habits, donne-moi un vêtement. Il me dit, mais regarde le jean qu'elle apprend. Porte ça. Mais je viens, je dis, mais grand, mais le jean il est mouillé. Mais le grand, mais comment je peux porter un jean comme ça? Il me dit non. Mais le jean est mouillé, toi tu sais qu'il est mouillé. Mais si tu t'approches pas des gens, les gens ne sauront pas que le jean est mouillé. Et donc toi tu peux le porter, frivé avec. C'est ce jour-là. Et c'est même lui qui m'a montré, mais comment repasser? Il dit non. Mais tu veux repasser? Avant, si tu vas sortir demain matin, tu mets les habits tous sous ton lit. Tu les mets bien, après tu dors. Le lendemain, c'est comme si tu as repassé. Et quand je me réveille le matin, je te dis, le repassage, c'était plus que le repassage. Je suis rentré dans ce mouvement en 73. Je suis entre Mongali et Plateau de 15 ans. Il y a un orchestre. L'orchestre, c'est un orchestre des jeunes. Zimbamwe. Et quand le leader de Zimbamwe, c'est-à-dire que le grand Somme Karolo vit en France, Zimbamwe n'existe plus. Tout le fan club de Zimbabwe va s'orienter vers la France. Et on va suivre le mouvement. Et en ce moment-là, avant de suivre le mouvement, je vais voir le premier retour de Nonongando avec Jean-Bakoukas. Et quand on regarde ça, j'ai vu le vieux Sakis au retour. J'ai vu Debambongo au retour. Quand je regarde tout ce monde-là, j'ai vu Jack Tabaz au retour. J'ai vu Chirac, Fiamou, l'Antilope au retour. Et quand tu regardes tout ça, j'ai vu aussi Philippe Labre au retour. Quand on regarde tout ce monde-là, on se dit, mais tiens, il faut donc aussi que je parte aussi en France. Et ça te donnait l'idée d'aller faire un tour en Europe, toi aussi? Ah, mais il fallait que je vienne aussi en France, parce qu'il fallait que je devienne moi aussi parisien. Et à cette époque, justement, quand tu avais cette idée, tu avais déjà des amis, tu connaissais déjà des amis qui vivaient déjà en Europe, ou bien... Personnellement, je n'avais pas d'amis qui étaient déjà parisiens. Il n'y en avait pas. Et qu'est-ce qui te donnait le courage de te dire que tiens, lui il revient de l'Europe parce que c'est un parisien, moi aussi je vais y aller? Je vais te donner une image qui m'est restée. J'ai vu Serval Matoko, que les gens ne connaissent pas aujourd'hui. Serval Matoko, quand il revient de Paris, je crois qu'il a 19 ans. Il est trop beau. Et tu as connu les Francos? Le grand Francos, oui. Mais il ne pouvait pas nous connaître parce que c'était des modèles. C'était lui aussi qui a eu aussi les premières boutiques, Francos Uomo. Donc c'était des grands, c'était des modèles qui ne peuvent pas, même jusqu'à présent, nous connaître parce que ce n'était pas notre promotion avec les Gondé Maléba. Quand tu prends aussi, comment tu l'appelles, intelligents, gens locaux, même s'il n'est pas venu en France, ce sont des gens qui ont marqué l'histoire de la SAP congolaise. Le fait de voir ceux qui étaient partis en Europe revenir passer les vacances au pays, oui. C'est ça qui donnait l'envie à ceux qui étaient sur place aussi d'avoir le courage de se jeter dans le vide. Mais oui. Comment tu as fait pour t'organiser afin que toi aussi tu arrives à quitter le pays pour venir en Europe? La première aventure, c'était en 77. J'étais mineur. Mais sauf que le jour où on devrait rentrer au port, et c'est le jour où Wabi est mort. En 77. Et le port a été bloqué. Et il fallait attendre maintenant quelques années. Il fallait que je parte maintenant en Angola. J'ai fait une année. Et de là-bas, en 82, je suis venu à Paris.
Je suis témoin de la fermeture de la Mecque. Je vivais dans la chambre numéro 1 qui m'a été donnée par Christopher, Jésus, Nzambi, Monsieur le Queer. Afara, Afara, Afara. Bagana wa doma kwa. Applaudissez pour Afara. Tiens, dis-moi Frangin, pour tout commencer, et si je te parle du Rex Club, à quoi ça te fait penser? Vous savez que ça me fait penser de beaucoup de choses dans ma vie. C'était mes débuts des années 80, quand je suis arrivé en France. Le mouvement de la SAP a commencé au Rex. Donc, on ne peut jamais oublier le Rex. Tant qu'une personne ne connaît pas le Rex, ça veut dire qu'elle ne connaît pas ce mouvement. Donc, c'est parti du Rex, ça a commencé. Les années 80. Qu'est-ce qui a attiré tout le monde pour aller se retrouver au Rex? C'était quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous savez, quand je suis arrivé en 80, le 1er mai 80 à 10h, j'avais 25 millions de francs CFA avec moi. En poche? Oui. Donc, je les ai mis quelque part, bien emballés, tout ça, avant la dévaluation. Je suis allé acheter au moins toutes les collections de Weston, et j'ai acheté toutes les collections de tous les costumes. Et j'habitais à la Mecque. Quand je suis arrivé nouvellement, j'habitais à la Mecque. La Mecque, la maison des étudiants congolais. C'est ça, voilà. J'habitais à la Mecque. Et bon, donc, quand je sortais le matin à Métro République, il y avait les chaînes à l'entrée de la Mecque. Et quand je m'habillais, j'ai parti m'asseoir là-bas pour... Les chaînes, c'est ce qu'on appelle en termes clairs ici, les garde-fous voilà. Qu'on a habité d'installer autour de... Les chaînes, les garde-fous au bord de la route. Voilà, j'ai parti m'asseoir là-bas. Et il y a un monsieur qui passait, il me dit, monsieur, bonjour, vous êtes bien habillé? Je dis, oui. Mais comment vous appelez? Je me suis présenté Djobala. Il s'appelle monsieur Mamadou Traoré. C'est un bossu. Il m'a dit, je dirige une boîte de nuit, le Rex. Je dis, bon, je ne connais pas le Rex. Il me dit, je suis à Bonne Nouvelle. Il dit, écoutez, je peux vous inviter? Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Et je lui dis, je ne viens pas seul, j'ai toujours, vous serez moins le 10. Il n'y a pas de problème. Et quand nous sommes arrivés au Rex, à partir de là, et on commençait à voir les gens qui faisaient les cultureuses, la danse, le smurf, tout ça là. Et j'ai dit à ce monsieur, mais pourquoi pas faire la SAP? Il dit, la SAP c'est quoi? Il a présenté les vêtements, les gens qui aiment s'habiller, les gens qui aiment l'élégance. Il dit, ah bon? Je dis, oui, j'ai fait une soirée de sapeurs ici. Et c'est là où la SAP a commencé en 80. Et c'est là où j'ai lancé le mot SAP. Et puis il m'a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire SAP? Je dis, non, SAP ça veut dire Société des Ambianceurs. Et les personnes élégantes, la SAP. Et c'est là où c'est parti, on commence à faire des concours de SAP au Rex Club. Et quand on faisait des concours exactement, lesquels qui participaient, c'était juste des Congolais ou bien il y avait d'autres nationalités, d'autres personnes qui venaient un peu de partout? Non, la SAP c'était pour tout le monde, c'était les Camerounais, les Ivoiriens, les Centrafricains, les Tchadiens, toutes les nationalités, les Français. Donc ça veut dire que c'était le Congo démocratique, tout le monde était présent au poste. Et c'était quelque chose de... C'était grave, c'était du jamais vu. Ce mouvement est parti de là, et les gens se déplaçaient de Bordeaux, de Marseille, de tout ça, de venir au Rex Club, uniquement pour voir cette ambiance de la SAP au Rex. Donc ça veut dire que c'est pas seulement que le Congolais. Il y avait des gens qui... Il y a d'autres nationalités. Je connais les Ivoiriens qui étaient avec moi, les Camerounais qui étaient avec moi, beaucoup de nationalités qui étaient avec moi. Donc c'est pas fait uniquement pour le Congolais, c'était fait pour tout le monde. Le feeling de s'habiller, c'est un feeling qui a juste commencé, débuté par là, ou bien c'est un feeling qui revient de loin? Mais la SAP a commencé depuis qu'on soit né. Les gens s'habillaient, mais il fallait faire sortir la SAP du ghetto, faire connaître la SAP dans le monde entier. Et c'est ce que je fais. Tout le monde est sapeur, mais tout le monde n'est pas roi. C'est ça le problème, parce que j'ai été désigné le roi de la SAP. Il y a eu un concours qu'on m'a donné le titre de roi de la SAP. Mais tout le monde est sapeur. La SAP est faite pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour se voir blanc. Tout le monde est sapeur. Mais il n'y a qu'un seul roi. C'est que j'ai oublié. Donc j'ai dit, c'est pas vrai, mais non, je dis, mais voilà. C'est une vérité que j'ai dit. J'ai été couronné les années 80. Et dans les années 80, il n'y avait pas de Google, il n'y avait pas de Facebook,
Il n'y avait pas de machin. C'était la télévision, ou télévision, ou pas télévision, ou la presse, ou pas la presse. Disons, c'est un titre qui est acquis et qui est à vie, ou bien comment ça se passe? Que quand on vous nomme comme le roi Pelé et le roi de la Sapa vie, il y a les Messi, il y a les Ronaldo, mais le roi Pelé reste le roi Pelé, jusqu'à sa mort. Mais si quelqu'un veut prendre ma place, mais il fallait qu'il vienne des années 80. Qui commence les années 80 pour prendre ma place, parce que ce que je fais, moi je fais le travail à eux. Actuellement, ils sont devenus les sapeurs grâce à moi, parce que j'ai fait le travail. Et maintenant, on parle de la table du monde entier, des Africains sont devenus les grands sapeurs grâce à moi. Je l'ai sorti du ghetto, il faut que les gens soient quand même reconnus. Ce n'est pas une polémique, mais je parle ce que je pense, je parle la vérité. Parce que si j'avais pas fait ce travail, si j'avais pas fait sortir la table du ghetto, les gens n'avaient pas parlé de la table. Ils en parlent maintenant, à cause de moi, dans le monde entier. Les sapeurs sont partout, et moi je suis fier de ce que je fais. Ceux qui sont reconnaissants, sont reconnaissants. Ceux qui ne sont pas reconnaissants, je les dis merci. Déjà, à cette époque, il y avait des jeunes, tu vois, qui habitaient la Mecque, hein, la maison des étudiants congolais. Il faut reconnaître que c'est eux qui étaient les fers des lances de la mode à l'époque. On venait des pays qui étaient dictatoriaux, des pays où l'uniformisation de la pensée, de l'habillement, des tenues, par exemple, la bacos, les tenues mao, des tas de trucs comme ça. Et les gens se sont dit non, nous on ne veut pas. Nous, on veut participer à l'universel. Hein. Les jeunes qui étaient en pointe dans la mode sont venus en pointe dans la musique. Et nous, on a trouvé que pour faire voir, pour faire connaître notre façon, notre musique, il fallait avoir un vecteur. Et le vecteur a été la mode. Et c'était un choc même pour les Occidentaux de voir des jeunes qui s'approprient. Parce que la mode, en fait, l'époque, les Occidentaux, c'est leur dernier bastion. C'est un bastion de la mode masculine. C'est un bastion, même la mode féminine. Donc, de voir des nègres qui s'accaparent de cette chose-là, ça a été un choc. C'est pourquoi on a vu Canal+, des radios, des émissions à la télé, parce que pour eux, c'est les gens s'accaparaient. Mais nous, on considérait que c'est comme un héritage universel. Si la SAP un jour veut être pérenne sur la place de Paris, pour ne pas dire être connue dans le monde entier, nous devons avoir des marques. Et chaque marque devra avoir une identité. Si la SAP sera son soubassement, c'est bien, mais c'est ce que je fais ici. Pour moi, j'ai la chance, moi en tout cas, de recevoir aujourd'hui une clientèle vraiment multiple. Qui revient un peu de partout. De partout. Ici, je reçois des Américains, je reçois des Suisses, des Français, mais vraiment, et de toutes couches sociales. C'est ça, c'est en ce moment-là que je dis merci à mes grands frères qui ont initié le mouvement de la SAP. Moi, je ne suis que celui qu'on appelle un modeste acteur de ce mouvement-là. Je leur dirai jamais assez merci. Parce que sans eux, peut-être que moi, je n'aurais pas eu l'idée d'ouvrir une boutique. Voilà. Donc finalement, si je comprends bien, la SAP quand même a fait de beaucoup pour que ça t'a inspiré aussi, ça t'a ramené sur ce chemin pour qu'aujourd'hui, tu arrives là où tu te trouves. La SAP a fait beaucoup. La SAP continue de faire beaucoup pour moi. Vous savez, mais il y a un hic, vous savez. Le bémol que j'ai souvent avec mes petits frères ou mes grands frères, c'est que nous autres Congolais du Deux Congo, parce que quand je parle de la SAP, c'est le Deux Congo. Quand même aujourd'hui, la SAP est devenue universelle. Et c'est devenu presque mondial. Elle est universelle, elle est même plus africaine, elle est mondiale. Si je n'avais pas cet ADN de la SAP, est-ce que moi, bachelor, j'existerais? Je ne pense pas. Vous comprenez? Je ne pense pas. Il faut rendre à César ce qui est à César. Elle a une cravate, hein? C'est ça. Ouais. Ouais. Non, dans l'habillement, je connais, voilà. Je suis une femme d'habillement, voilà. Mère Dallas. Mais la sapologue, c'est Dallas. C'est Mère Dallas, voilà. La prêtresse de la SAP, voilà. La prêtresse.
prêtresse de la SAP, Dallas, mère Dallas. Quand on était dans Viva la Mujica, à Viva la Mujica avec les papas Wemba, tout ça, paix à son âme, on a tout, il y avait, on a enrichi, par exemple, des boutiques comme Yoji Yamamoto, mais il y avait un manque de respect par rapport à nous. Parce que nous, on il n'y avait pas de reconnaissance. Non, pas de reconnaissance. C'est-à-dire que nous, on arrivait dans ces boutiques, on était traités comme de moins que rien. C'est-à-dire qu'on pouvait rester 10 minutes. Alors que c'est vous qui faisait que cette boutique soit là. Moi, je me rappelle, on revenait des achats, tout ça, de chez comme Ferré ou comme des garçons. Alors, on a passé des heures, tout ça, personne ne s'occupait de nous, alors qu'on dépasse, on laissait des sommes énormes en route. Papa Mba m'a dit, écoute Titi, Yosa Maele, je pense que au moins des bambas sali, il peut gros salango. Donc petit kanda banda au raisonner na likambango. Il dit ah bon papa, il m'a dit oui. Moi je vendais à l'époque, hein, je vendais comme ça, à la sauvette. D'une façon informelle. Mais il dit non. Il faut ça l'ango, il faut passer dans l'étape supérieure, l'étape bateau, bah, la respiration. Donc, c'est ce qui explique. Donc, il y a bango, c'est-à-dire que nous, on vient, on dépense des millions ici, et ces gens-là nous manquent de respect. N'importe qui entre, des touristes qui viennent, on s'occupe d'eux, tout. Mais quand c'est votre c'est même pas, c'est pas, c'est même pas du racisme, mais c'est. Un des intérêts, c'est-à-dire, ah ben, ils vont regarder, après ils vont pas acheter. Et pourtant, nous, on dépassait des sommes énormes. T'as fait de sa apologie, l'envoie le vieux mon concours, papa ou pas. J'aime bien au magicien, le grand réalisateur. Papa ou pas. On sort de l'école de la SAP. Nous, on vient de la SAP. Je pense que c'est jusqu'à la mort. Tu vois? La SAP, c'est jusqu'à la mort, c'est dans la peau. Nous, on a fait, c'est l'époque des, on a fait l'époque des défis, les boîtes, les Rex, les palaces, avec les Ivoiriens, les Ephraim, tout ça. Donc, c'est cette école-là. C'est là où on a découvert, par exemple, des gens comme des Jean-Paul Gaultier. À l'époque, il fréquentait ce genre de boîtes, par exemple, les gars qui ont explosé Louboutin, plein de personnes, tu vois, de l'époque, tu vois, de l'époque, c'était l'époque où s'est mêlé les noirs et les blancs, c'est pas la ghettoisation que l'on voit, que les noirs sont dans leur coin, les blancs dans leur coin, non, Paris était quelque chose, on appelait ça les mixtes. L'époque, black and white, donc c'était la mode, il faut connaître par exemple l'époque là du Rex et du Palace. C'est le moment où tout le monde vivait ensemble, la mode a réussi à mettre tout le monde dans le même panier. C'était éclectique, c'est que vraiment et cette vitalité là même nous on était des étudiants dans des universités, mais chaque samedi, chaque vendredi, on se voyait là-bas, c'était quelque chose de beaucoup de ces gens, de ces personnes-là sont maintenant des grands hommes dans la pub, dans l'audiovisuel, parce que cette réalité-là, la France, je ne sais pas si la France peut vivre encore cette réalité, parce que c'est le monde entier. Le monde entier. Donc ce déclic, ça s'est passé réellement avant le problème depuis le Rex. Et puis il y avait un mariage entre la mode et la musique. Et à partir de quel moment qu'on t'a appelé, que tu t'es nommé le général Ferrez? Là, nous sommes en 92. C'est en 92 que, quand je dis que je vais maintenant passer général, c'est ce que je disais aussi la fois passée. En fait, quand chaque fois que je vais en prison, les femmes qui restent prennent mes vêtements. Comme mes vêtements sont mixtes, je vais faire quoi? Je vais passer par une philosophie. Déchirer mes vêtements. Déchirer mes chaussures pour qu'on ne les vole plus. Et les gens vont croire que c'est une mode. Non, c'est une philosophie.
C'est pas une la raison pour laquelle tu portais tout le temps des habits du jeu. Mais oui, parce qu'on me volait mes habits. Puisque mes habits sont mixtes. Alors j'ai déchiré mes habits, j'ai déchiré mes chaussures. Les gens ont cru que c'était une mode, non, une philosophie. Et quand c'était déchiré, personne ne pouvait les voler. Mais qui va encore les voler? C'est une marque déposée maintenant. Il croit que c'était une mode. Non, une philosophie. Voilà, la sapologie, c'est une science qui étudie la sap. C'est une science qui étudie la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Quand la sap devient de l'art, elle s'appelle la sapologie. Quand la sap devient une science, elle s'appelle la sapologie. Quand la sap devient une doctrine, elle devient la sapologie. Quand la sap devient une culture, elle devient la sapologie. Donc c'est pour ça que tous les sapeurs, tous les sapologues, celui qui pratique la sapologie, on l'appelle un sapologue. Le sapologue, c'est celui qui est à l'ultime perfection. Donc c'est celui qui passe de sapeur à sapologue. Parce que là, c'est cette étape où on étudie la prière du sapologue et les 10 commandements de la sapologie. Mais c'est quoi exactement la prière du sapologue et les 10 commandements de la sapologie? Excuse-moi Ben, mais moi je ne savais pas que finalement, dans l'histoire de la SAP, ça ressemble un peu à la religion où il doit y avoir des... Non, c'est pas question de religion, c'est une idéologie qui est propre au sapologue, parce que nous sommes comme tous ces croyants, parce que nous croyons à la sapologie. Et donc, quand nous croyons à la sapologie, nous croyons à sa science. Et comme nous croyons à sa science, nous pouvons mettre une prière. Comme nous croyons, nous pouvons mettre les 10 commandements de la sapologie. C'est comme les théologiens avec le christianisme. C'est comme les musulmans avec l'islam. Et c'est comme la sapologie avec les sapologues. Et donc, nous avons la prière du sapologue et les 10 commandements de la sapologie. C'est ça qui est. Mais finalement c'est quoi ces 10? Moi j'aimerais bien connaître. Disons, si je comprends bien, ces 10 commandements à voir de près, c'est la loi de la SAP que tout sapeur doit respecter. Voilà, c'est une feuille de route du sapologue. La feuille de route. Et c'est quoi exactement? Parle-moi un peu de la feuille de route. Le civisme du sapologue. Le premier commandement du sapologue, tu saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur. Le deuxième commandement. Tu materas les Ngaya, les Mende, les Tunungo sur terre, sous terre, en mer et dans les cieux. Les Ngaya, les Tunungo et les Ngaya, exactement, c'est quoi c'est exactement dans le terme de la Ngaya, les Ngaya, les Tunungo, les Mende, ils sont dans le même cercle. C'est des sapéphobes. Ce sont des gens qui, en fait de compte, qui sont toujours mal habillés. Ce sont des gens. Celui qu'on appelle Ngaya, c'est celui qui n'a pas même le savoir-vivre. C'est celui qui a de la haine. C'est celui qui est mauvais. C'est celui que nous, on embrasse tous chez nous dans notre jargon sapologique. Nous les appelons des Ngaya, des Mbende et des Tchindongo. Voilà, donc ce sont eux qui ont le mauvais cœur. Et donc ce sont eux qui sont toujours mal habillés. Donc voilà. C'est une appellation Ngaya, Kindongo, c'est une appellation qui définit ceux qui n'arrivent même pas à suivre la règle du jeu de la sapologie. Voilà, tu as tout compris, monsieur Higgins. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on dit, tu materas les Mbende, les Ngaya, les Tchindongo sur terre. Sur la terre, sous terre, quand tu décèdes, en mer, même si tu meurs dans les eaux océans, dans l'Atlantique, la mer, et même si tu meurs aux cieux, dans les avions, les airs, tu les materas toujours. Parce que ton esprit de neuf vie appartient à la sapologie et tu es sapologue. Le sapologue, quel que soit là où il se trouve, qu'il soit vivant ou mort, même quand il décède, là où il va, il est obligé tout le temps de mater ceux qui ne savent même pas s'habiller. Voilà, il faut les mater parce que il faut les mater jusqu'au-delà. Au lieu de mater les Ngaya, disons, c'est-à-dire ceux qui ne savent même pas bien s'habiller, pourquoi ne pas les conseiller qu'ils puissent rejoindre le rang de la SAP? Les Ngaya sont des têtus. La SAP en soi a été conceptualisée par nos frères du Congo Brazza qui ont conceptualisé la SAP. Eux, ils étaient forts. À l'époque,
les Yamazuka, les Jacques Moulele, il y avait plein de personnes qui vraiment étaient en pointe, tu vois. Et chez les Congolais, il faut voir les Nyarkos, Kokuwaya. Ils ont été dans ce mouvement-là à l'époque et tout. À l'époque. Mais si on parle de la. Ça, c'est la SAP. Mais si on parle de la mode, c'est un concept très large qui regroupe, qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un concept qui a commencé avec les dandys, mm-hmm. par exemple, en Europe. Les Brimel, tout ça. C'est un concept qui a toujours existé. Alors, parce que la mode, en fin de compte, les gens ne comprennent pas. La mode est universelle. Ça appartient pas aux Français, ça appartient pas aux Italiens. C'est un patrimoine de l'humanité. Et quelle différence y a-t-il entre, par exemple, le sapeur, le crack et le parisien? Le sapeur, c'est tout le monde. Tout le monde est dans la sape. Le crack, c'est celui qui est au-dessus de la sape. Parce que le crack, il crée. Il a une identité. Quand il rentre quelque part, on sait que ça, c'est un crack parce qu'il a une identité. Le sapeur, ce sont les gens qui peuvent porter les mêmes vêtements, les mêmes tissus, super sang, chemise à bleu de France, même cravate, beaucoup de honnêtement, boum, ils se ressemblent. Le crack fait la différence. Le parisien, et c'est ce que tout le monde rêve, d'être parisien, de faire de retour. C'est ce qui vive le parisianisme, c'est ce que faisait à l'époque les Jack Tabazo, Berkouendak au retour. Donc faut-il parisien, faut-il bangolo, comme tu prends les Tchékos Mazarin, ils ont vécu le parisianisme. Quand tu prends par exemple les amateurs Kolela qui sont partis. Revenons à peu près à nos moutons à propos de l'histoire de la Save. L'histoire de la SAP, est-ce que ce n'est pas nous, les aînés, qui ont essayé un peu de tellement trop amplifier cette histoire en attirant nos petits frères ici dans le mouvement et qu'on n'a pas pu encadrer? Voilà pourquoi aujourd'hui ça fait désordre. Ingis Moro, lorsque nous sommes venus en France, toi et moi, tu le sais bien, qu'on n'avait pas de repères. Qui pouvait me donner les repères? Nonongando? Jacques Moulele? Mais c'était des douaniers qui étaient là quand même. Mais qu'est-ce qu'ils nous disaient? Petit faux Wendigo retour. Je te donne un exemple concret. Mon grand frère, je vais citer son nom, c'est mon doyen. Eustache Malonga. Yalonga. Quand il vient, par exemple, à la maison, et qu'il voit que tu as déjà des valises qui sont là, petit valise de chez Hong Kong, faux Wendigo retour. Ça, c'est l'aîné, c'est le grand frère qui te dit ça. Que tu es prêt pour partir. Et tu vas faire quoi, Ingis? Qu'est-ce que tu as ressenti le fait de repartir, de revenir de l'Europe, d'atterrir à Brazzaville et d'être parisien? Mais j'étais l'homme le plus célèbre. C'est ce que je croyais. J'avais le plus beau vêtement. Je suis sorti avec le plus belle fille du circuit. Donc j'ai connu des sensations fortes, comme tout parisien. Je croyais que j'étais le meilleur. C'est ce que je croyais. Comme tout le monde croit qu'il est le meilleur, alors que personne n'est meilleur par rapport à l'autre. Voilà. Donc j'ai vécu le parisianisme comme tout le monde. Je l'ai vécu, je suis sorti avec les plus belles femmes, j'ai porté les plus beaux vêtements. Voilà. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que, voilà, je croyais que je me battais contre les autres. En fait, quand je me battais contre moi-même. Le Congo démocratique à cette époque, l'accoutrement de cette époque était surtout basé sur Abacos. Et toi, étant qu'un jeune arrivé en France, qui ramène une nouvelle technologie, pas une nouvelle technologie, mais l'habillement universel, une nouvelle façon, où tu as réussi quand même, nous le savons très bien que tu as habillé la majorité, pas mal des artistes congolais, les Papa Wemba, les Mené, tout ça. Mais à cette époque, comment ils avaient trouvé exactement le concept de ce que tu leur proposais? Non, mais c'est-à-dire, les artistes, quand ils sont venus en France, moi je me rappelle la première fois, par exemple, Viva la musique a joué en France, à Saint-Germain-des-Prés, c'était un choc. Parce qu'eux, ils arrivaient, ils avaient une façon de s'habiller. Et nous, jeunes de Paris, on avait notre façon de s'habiller. À l'époque, on avait découvert un couturier japonais, Takeo Kikuchi, hein? Yushi Yamamoto. C'était un choc pour eux. Et on les a
par rapport à l'accoutrement qu'eux, ils avaient ils amené. Avaient, donc, ils avaient amené, ou ils ont vu, ou par rapport à la conception qu'ils se faisaient des vêtements. Ils ont découvert, par exemple, des pantalons. Des pantalons, hein, des pantalons à cordes, des tas de choses. Des western, des triple SML, des tas de choses que. Donc, si je comprends bien. Ils ne connaissaient pas. Donc, si je comprends bien, Firme, c'est ça aussi, surtout, qui a fait monter Firme en haut de l'affiche, puisque tu étais la première personne à proposer à nos artistes la nouvelle conception de porter les habits d'une autre façon. Non, mais c'est-à-dire, c'est pas seulement. Bon, Firme a été ouvert après plusieurs années, mais c'est-à-dire que moi, j'ai toujours côtoyé les artistes. C'est beau! Il y a du monde au parking! Mais est-ce qu'en revendiquant les droits à travers les habits, est-ce qu'on arrive quand même à se faire entendre par nos autorités? Mais vous savez que dans le temps, au Congo, on arrêtait les gens, on arrêtait les sapeurs. Quand tu es bien habillé, on t'arrêtait. Mais à partir de là que la sape est devenue très forte, et le mouvement est devenu très populaire, maintenant les sapeurs commencent à faire des défilés. Commencent à défiler maintenant. Je me rappelle, dans le temps, on arrêtait les sapeurs. Quand tu es bien habillé, on t'arrête. On te met en prison au Congo, c'était comme ça dans le temps. Mais après, que les gens comprennent que la sape, c'est pour mettre son corps en valeur. Et à partir de là, même les sapeurs commencent à participer au défilé au 15 août. Le carnet des sapeurs est élaboré par celui des partis politiques installés à Oumu. Qui nous dit ce plan de gouvernement dans son effort pour améliorer la production nationale. En fait, le plan de l'agriculture parti pour oublier la République. Nous comptons pas de retour. Nous avons maté les politiciens. Les politiciens avaient peur de nous. Aujourd'hui, ils ont renversé la tendance. Ils nous arrêtaient. Ils disaient que nous étions des voyous. Mais les plus délinquants, ce sont eux, ce n'est pas nous. Moi, je ne vole pas dans la caisse de l'État. Moi, je vole le blanc qui vient voler chez moi au Congo. Moi, je ne vole pas au Congo. Je ne vole pas le peuple. Non, le gouvernement était aveugle parce que une personne qui est bien habillée, c'est une personne qui n'aime pas la violence. C'est une personne qui peut n'a même pas besoin de toucher. Parce que quand je porte mes vêtements chers, je peux bien me battre, je peux manquer de respect à quelqu'un, je peux pas faire non. Donc ça veut dire qu'eux ne savaient pas, pour eux c'était la jalousie. Parce que comme un homme qui est bien sapé, qui est bien habillé, tu vas être jaloux de lui, pourquoi? Et tu crois que moi je suis bien habillé, je porte mes vêtements coûteux, j'ai cherché la bagarre. Où j'ai cherché à faire du mal à quelqu'un. Non, c'était pas question du gouvernement de l'occuper. Mais ils ont compris après que les sapeurs drainent du monde quand même. À partir des sapeurs, les gens, eux-mêmes, les ministres sont des sapeurs, les chefs d'État, les présidents sont des sapeurs. Donc ils ont compris que non, il fallait laisser ces enfants-là s'exprimer. Dans la communauté congolaise, surtout africaine en général, la majorité des Africains sont maintenant fiers de ce que tu fais. Et il y a celui quand même justement qui est un peu de. Qui rêve un jour quand même à devenir comme bachelor. Mais en dehors de ça, est-ce que par rapport à ce que tu fais, tu restes toujours sur la boutique à vendre tes fringues ou bien tu aimerais bien passer derrière l'atelier aussi pour commencer à créer tes marques ou tes propres coupes de fringues qui pourraient être non, quand non, même... Non, non, merci pour la question, Francis. On sent que tu connais ton métier. Mais aujourd'hui, sans outrecuidance aucune, j'ai lancé beaucoup de tendances à Paris. Je vous garantis, aujourd'hui vous allez voir les gens porter des couleurs, mais beaucoup vous diront ah, bachelor, mais t'as bandé mon solo. Ah, bachelor, petit gamin. Bah, ça lance couleur, jaune, rouge, bleu, type. Les gens disent ah, un costume jaune, rouge. Ah, ça c'est bachelor. On a lancé ça. Il y a des petits modes qu'on lance ici, les gens ne se rendent même pas compte.
aujourd'hui, il n'est pas tabou de voir quelqu'un avec un beau costume, mais dans la chemise, n'est pas une chemise unie, fleurie. Une chemise fleurie, mais portée avec des cravates. Hier, c'était un sacrilège, ça. Quand on a été dans la mode pointue, tu vois, tu connais Versace, Armani, tout, il faut avoir les instruments techniques pour faire des choses sérieuses. C'est-à-dire que arriver à zéro faute. Moi, j'ai eu cette idée de créer peut-être ma ligne, peut-être je la créerai un jour. Mais il faut que la technicité suive. Bien sûr. Tu ne peux pas faire de la... ce qui ne marche pas. Pourquoi il n'y a pas de grands couturiers africains? Parce qu'il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de sérieux? Mais parce que ça demande de gros investissements. La société des ambianceurs, des personnes élégantes, ça veut dire que dans la sape, il y a tout. Il y a la société, il y a des ambianceurs, il y a des personnes élégantes. Ça veut dire que dans la sape, il y a tout ce que j'ai dit là, qui est dedans dans la sape. Qu'est-ce que ça t'a apporté à peu près depuis ce jour où tu es devenu sapeur? Mais j'ai gagné, ça m'a rapporté des milliards. Je suis devenu milliardaire à cause de la sape. Et ça a changé quand même, c'est pas tes connaissances, ta vie? Non, mais c'est pas maintenant, parce que dans le temps, c'était bien. Dans le temps, on payait cher. Dans le temps, ça rapportait beaucoup d'argent et j'ai dépensé beaucoup d'argent pour arriver là. Parce que dans le temps, il fallait s'habiller cher, il fallait porter les grandes marques, il fallait qu'on te voie. Tout l'argent qui était travaillé, ça partait sur les vêtements, il fallait protéger l'image de l'Afrique. C'est surtout l'Afrique, le combat d'Afrique qui m'a poussé vraiment à faire ce travail. Parce que si j'arrivais ici, il n'y a que des blancs, non, j'ai dit non, même si vous qui criez ça, mais nous, on va vous prouver que nous vous dépasse. Et c'est ce qu'on a fait. Et moi, c'est surtout mon problème, c'est l'Afrique, que je mets toujours en tête. Et ce combat, je me suis mis dans ce combat, c'est toujours mettre l'Afrique en valeur et en avant toujours. Joe Baleur, depuis que tu es devenu roi, avant, pour se faire voir, aller défiler quelque part, frimer, emporter les habits des autres, est-ce que jusqu'à présent, les griffes, tu continues toujours à porter les griffes des autres ou bien c'est pas, ça te ramenait à autre chose pour que tu puisses créer ta propre marque? Non, vous savez que ça m'a ouvert beaucoup de yeux, tu vois. Bon, c'est normal, le début, on ne connaissait rien, il fallait porter les marques des autres, il fallait le faire. Après, j'ai compris que non, mais la personne que je porte, il me vaut dans quoi? Il ne me vaut pas dans, il veut rien, parce que c'est une personne comme moi, il a un nom comme moi. Et à partir de là, j'ai créé ma propre marque, et je porte tout ce que je porte, que ce soit chaussures, que ce soit tout ce que je porte sur moi, c'est la marque Giovanna. Depuis les années, après 80-81, je ne porte plus les marques des gens. J'ai un showroom à la maison, quand quelqu'un a besoin des habits, il vient à la maison, je lui fournis à la maison. Sinon, pour le moment, je n'ai pas encore de boutique, mais je préfère travailler comme ça. Je vends mes vêtements, celui qui veut s'habiller, il vient chez moi, il y a tout. Joe Baleur, c'est devenu un nom. En haut de l'affiche, toute l'Afrique veut se l'arracher. Les jeunes dans d'autres pays, par exemple, quand tu arrives, tout le monde se bouscule, veut le vol Joe Baleur. Comment tu arrives à t'organiser quand même pour que quand même, quand tu arrives dans un pays donné, tout le monde puisse en profiter de voir Joe Baleur? Non, mais j'en ai fait, j'ai rempli les stades dans beaucoup de pays. Au Sénégal, j'ai rempli les stades, au Bénin, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, j'ai rempli les stades pour me voir. Donc je me connais, je sais comment faut-il organiser. C'est quelque chose d'organisation de ce que tu fais. Parce que dans la vie, dans ce qu'on fait, la ponctualité est très importante dans la vie d'une personne qui veut se faire connaître, qui veut être bien dans sa vie. Donc le respect de l'autre, d'abord, il faut savoir le respect de l'autre. Parce que l'humain, il faut d'abord respecter l'humain. Quand tu sais que tu peux respecter l'humain, tu vas aller loin. Mais on ne manque pas de respect aux gens. Parce que dans la vie, le respect est très important. Le manque de respect, c'est la cause qui nous ennuie pour rien. Moi, je conseille mes frères africains, il n'y a pas que les études qu'on peut réussir. Il faut apprendre un métier. Même les filles, les garçons, apprenez les métiers. Moi, Joe Baleur, je n'ai pas de bac. Ni quoi, je n'ai pas. Mais j'ai appris un métier qui m'a rendu célèbre. Plus que les gens qui ont des doctorats, des licences. Je parle de ma fondation parce que j'ai créé une fondation en Côte d'Ivoire. Fondation internationale de la SAP. Cette fondation, c'est pour aider les jeunes. Je vais laisser mon nom comme Emmaüs, le Coluche. Où ça? En Côte d'Ivoire? Voilà, la base, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, mais c'est une fondation qui est internationale.
les lunettes que je porte là, vous voyez, là, il y a un papillon qui est là. Cette marque-là, c'est la marque d'un jeune créateur congolais. Il s'appelle Sylvain Mankissi. Sa marque, c'est John Papillon. Nous devons être fiers de ce que nous faisons, vous comprenez? Mais tant que vous ne serez jamais fiers des œuvres réalisées par vos petits frères, vos petites sœurs, nul besoin de parler de développement, je vous dis honnêtement. Dans la communauté bachelor, tu fais la fierté quand même de la communauté. Et beaucoup de gens sont quand même fiers de savoir que parmi nous, il y a ceux qui arrivent quand même à aller de l'avant. Et par rapport à ça, ils attendent justement que lui aussi puisse s'inspirer et faire ce que Bachelor a fait. Donc j'espère que quand même pas mal de gens viendront aussi de temps en temps s'inspirer. Je les invite, mais avec amour. J'ai dit, comme on dit, venez. Comme on dit, le gâteau est grand. Si gâteau il y a, nous devons être solidaires. Venez chez moi, vraiment, venez pas avec des arrière-pensées. Non. Je suis votre frère, je peux me tromper. Mais comme vous venez chez moi, vous venez chez Connivant, c'est une fierté pour moi. Je ne dis pas que je suis le meilleur habilleur du monde, mais on a créé un style qui est le nôtre, grâce à la SAP qui vous est chère, à vous tous, à vous toutes. Mais dans ce cas-là, continuons sur cette lancée-là. Voilà, c'est ce que je tiens à dire. Mais moi, sur la place de Paris, je dis merci à tous ceux qui m'ont donné de la valeur, qui m'ont soutenu, qui continuent à me soutenir en venant ici. Sans eux, je n'existerais pas. Moi, si je mets à l'hôpital, l'olobie est salatina. Les longues et l'aïebo, l'obie fait à Yuma Mosusuna. Petit bateau n'a tanga, wapi maloutano, wapi maloutano. Moi, j'ai grandi dans des quartiers comme Saint-Denis, Montfermeil. Moi, j'ai grandi à Garges-lès-Gonesse. Donc, c'est des quartiers des banlieues, des quartiers difficiles. Mais j'ai fait un défi de créer une boutique dans un bastion qui est le 17e, à Paris même. C'est-à-dire casser ces mythes parisiens. Ah non, Paris est réservé à une certaine élite. Et voilà. Nous, la banlieue a amené la mode à Paris même. Les gens pensent que la SAP c'est quelque chose de banal, mais c'est quelque chose qui a imprégné l'homme de l'Afrique centrale. Qui a imprégné... Et qui est devenu international. Mais c'est un patrimoine. Oh. La SAP ne nous appartient même plus. Ouais, bien sûr. La SAP c'est quelque chose qui est parti au-delà des frontières. Au-delà des frontières et au-delà même du concept. C'est une façon de vivre. Et ce qui nous manque seulement, c'est le sérieux. C'est ce qui nous manque. On est trop dispersés. L'unité, la technicité et la recherche de la perfection. Ça, nous allons relever tous les défis. Nous, on va servir de miroir ici. Et si nos jeunes qui sont en Afrique voient ce que nous faisons, ils traverseront pas la Méditerranée pour venir ici. Si nous, on est sérieux, c'est nous qui allons créer là-bas. Et en les gardant là-bas, en gardant cette intelligence pour que les gens réussissent là-bas. Est-ce que la jeunesse congolaise n'a pas raté sa vocation, son objectif? Il n'est pas trop tard, Ingis. La SAP peut être un contre-pouvoir. Je dis bien que la SAP... Est-ce que les sapeurs ne se sont pas fait avoir par les politiciens? Mais c'est ce que je te fais comprendre. Il n'est pas trop tard. La SAP peut être un contre-pouvoir. À condition d'être unis. Comment vous pouvez faire un festival de la Sabogie sans son créateur lui-même alors qu'il est encore en vie? Ça n'existe nulle part. Parce que la SAP, c'est la seule société qui est tolérante. Où on retrouve tout, le nord, le sud, partout. Où on retrouve des blancs. Ce que la SAP est en train de réussir, c'est ce que les politiciens n'arrivent pas à réussir. Fédérer. Et tant que créateur de la sapologie, si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Parce que j'ai trouvé que, en créant la sapologie, qui éduque d'abord, qui est allé pour l'éducation, beaucoup de personnes ont injecté les injures. Beaucoup de personnes, tu sais, ils commencent à ne plus respecter les grands qui ont commencé avant eux. Il y a beaucoup de délires. Quand on parle de la sapologie,
C'est un tremplin pour nos pays, pour le Congo. Mais aussi, il faut revoir que le Congo doit être, doit prendre son leadership en tant que pays de la SAP, en tant que pays où l'art vestimentaire est de haut niveau. Il faut maintenant créer votre marque. Il faut maintenant appeler les investisseurs. Il faut parler sapologie au Congo pour dire comment nous allons faire pour que demain la SAP produise, comment nous allons faire pour demain que la SAP soit un vecteur économique. Voilà les discussions. Les discussions, il faut créer, il faut mettre des usines, il faut mettre. Nous n'avons même pas une usine rien que pour faire les boutons. Le gouvernement congolais ne m'a même pas récompensé rien que d'avoir créé la sapologie, d'avoir réuni, d'avoir fédéré le peuple, d'avoir fédéré la jeunesse. Ah non. Parce que quand j'arrive à ce moment-là, je dis mais non. Donc vous allez attendre que Ben Moukacha ferme les yeux pour dire oui, Ben Moukacha, à titre posthume, il est nommé, tout ça. Non, mais non. Aimons-nous vivants. Le général Firenze, Annick Bertin, merci beaucoup. Merci à toi, Yengis Moro, Magatameto Mamsamo. Depuis la disparition de André Matsua, d'autres générations ont pris la relève à travers la SAP et réclament toujours la liberté qui a été bafouée au Congo depuis la colonisation. À quand l'indépendance économique, spirituelle et monétaire? Car c'est ça la vraie liberté que réclament les Congolais. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. À bon entendeur, salut. Fumunazo, gouvernement Nayo, l'Assemblée Nayo. Katuta tunga po Ensoni Ya yensoni Mamba na mo Bishinga na byo Tonazo Katuta tunga po Ensoni Ya yensoni Tala butomo vutu tala Kachita tomako Butatala butomo vutu tala Kachita tomako Batuga le nord, batuga le sud Batalie toria tu sololo